maître corbeau sur un arbre perché. Ça c'est un pinson. Là-bas c'est un merle. Un délectable plaisir à contempler les arbres, surtout les séquoias. C'est un cèdre de l'Atlas. Oui. Le géant qui portait le monde sur ses épaules d'herbe de foin. Je parlais de la montagne. La montagne de l'Atlas. Oui. La montagne, bien sûr. Ben, les alpages, les alpères, la gentiane, le coussier amer. Mais non, la passion de la botanique. Hein. J'adore les herbes, les fleurs. Plantes, les petites bêtes, invisibles, invisibles, dans les stations, et puis pour provoquer l'amour. Explique-moi ce que cette petite vie est admirable, parce que là, c'était la sienne, sa petite ville. Et toi, tu l'as sculptée? Mais oui, bien sûr. Non, reviens, ma première question, comment est-ce que tu... Le buste? Oui. Ah ben, je suppose qu'il lui ressemble. Hein. Le poète, parmi les feuilles, avec le ciel normand au-dessus de la tête. Un colimaçon pour accéder à son effigie, sur les lieux de sa méditation. Ce cher Rémy de Bourmont, si charmant, si insupportable. Mais sais-tu qu'il m'a suivi un jour? J'étais pourtant très jeune, pas plus de 18 ans. Il s'est attaché à mes pas durant une matinée. Quand je l'ai abordé pour lui proposer sans façon de se joindre à ma promenade et de me donner le bras, il a décliné mon offre. Au prétexte qu'il était en train de travailler sur une nouvelle pièce et que sa filature n'avait d'autre motif que d'étudier mon ombre. Mon ombre? Tu imagines un peu l'ombre d'une femme se propageant à coups de talons précis vers ses secrètes destinations. Une expérience mystique à défaut d'être galant. Il était ton beau-frère, ce que je t'ai raconté ne doit pas te surprendre. Il venait très souvent ici. À chaque fois qu'il descendait à Coutances, il passait dans ce jardin pour renouer avec ses souvenirs. Une tradition locale était même de lui réserver ce banc au bord de la fontaine. Pour lui, il aurait du mal à venir ici à soir. Hein. Cruel. Dis-moi, c'est pour voir un banc que nous avons fait tout ce chemin ou juste pour essayer ta nouvelle carte d'eau? Vous me parlez d'aller respirer le bon air de la mer. Et de manger des huîtres. Aussi. Tu veux pas t'approcher un petit peu? Je n'aime pas. Ton buste? Oui. Si, il est parfait ton buste. Un modelé impeccable. Douce harmonie. Mais tu me demandes la vérité, je t'attendais comme illustre corneille. On peut faire de sublimes portraits d'une femme laide. Jusqu'à preuve du contraire. Le contraire n'était pas une femme. Et alors que ce soit en temps, il se fit encore des dames. Tu restes très attaché à lui et faut être plus normal, mais ce n'est pas une raison pour tricher avec les détails. Même s'il s'agit pour toi de tenter d'évoquer sa beauté intérieure. C'est le sens que je voulais donner, en effet. Il avait ce lupus qui lui dévorait le visage. Mais ce vilain lupus qui l'empêchait de prendre le bras d'une jolie fille et d'accompagner sa promenade jusqu'à l'entrée du lycée. Et de la suivre dans les rues comme l'ombre d'un poète disparu. Et si on allait les manger, ces huîtres? Suzanne! Suzanne,